Je m'appelle Kellan. J'ai vécu la plus grande aventure de ma vie. J'ai combattu. J'ai vu des gens mourir. Mais j'ai aussi rencontré l'amour. Aujourd'hui, je m'apprête à sauver le monde. Car je suis l'élu. Bravo, Kellan. Bah ça y est, on y est. C'est le feu, c'est une dinguerie, quoi. Tu y es enfin arrivé. Mais seul toi, l'élu, peut planter l'épée pour sauver le monde. Tout redeviendra comme avant. Et tous les gens tués par Zarkhan seront ressuscités. Grâce à toi. Ça tue. Franchement, ils vont tous revivre, quoi. Tous les gens. Oui. Pouah. Une fois l'épée sacrée plantée dans le rocher du destin, l'épée se détruira. L'humanité entière se réveillera 3 ans en arrière, avant que Zarkhan ne s'empare de l'épée et n'accède à la toute-puissance. Enfin, nous pourrons reprendre le cours normal de nos vies. Comme si tout cela n'avait jamais existé. Tout redeviendra comme avant. Trop bien. C'est grave bien. Ça veut dire que, bon, par contre, que on va plus se revoir, quoi. Ah oui, non. On reviendra à nos vies normales. Et d'ailleurs, ce sera comme si tout ça n'avait jamais existé. On se souviendra plus du tout les uns des autres. Ouais, c'est trop bien. Et c'est la prophétie. Vas-y, j'insère le truc, alors. Ok, les amis. C'était pas ouf cette aventure quand même d'ailleurs. Ouais. Hein? C'était bien. Hein? C'était très bien. C'était dingue, hein. Je pose vite fait l'épée parce que. Ah, carrément, ok. Ça c'est quoi que t'as préféré comme. Ok, on en parle maintenant? C'est maintenant, quoi. Ouais, si tu veux, ouais. Ok, mais qui roule un peu. Il y en a eu plein, des moments bien. Et il y en a eu plein. Je pourrais en écrire des centaines de tirades, mais à vrai dire, Kellan, le moment est peu opportun. Vous devez vous dépêcher. Zarkhan et son armée sont à nos trousses. Et toi, juste 2 secondes, c'est quoi ton moment préféré de l'aventure? Non, moi, j'avais un moment, j'ai kiffé, tu me dis si c'est ton préféré aussi. C'est quand on était sur le dragon, qu'on a commencé à se rapprocher, que j'étais vraiment... Ouais, non, je veux pas commencer à casser un truc. Non, mais c'est bon, là, y'a quoi, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Vous devez vous dépêcher, Zarkhan et son armée sont à nos trousses. Nous devons ressusciter nos proches. Notre Zarkhan est hors de s'approcher. Oui, bah ça va. Alors lui, il entend tout sur tout, et des fois, on n'entend rien du tout, nous, je te signale. Y a pas de preuves, Zarkhan, moi... Oui, non mais ça, c'est... Il y a peut-être un petit festival de jazz qui va passer dans pas longtemps, hein. C'est... Non, le jazz est de plus en plus agressif, hein. Moi je l'ai dit, hein, ça. Au début de l'aventure j'avais dit ça, je crois. Tu te souviens pas? Non. Bah vas-y, hein. Vas-y mon gars. Allez, yes. Je viens de penser à un truc de ouf là, mais en vrai perso, moi j'ai perdu personne de ma famille. Je me suis dit peut-être vous aussi, du coup on se fait chier pour rien là, non? J'ai perdu mon père. Un père, oui, bon les parents, c'est souvent ceux qui partent. Vous avez perdu moi, des... J'ai perdu toute ma famille. Toute votre famille? Chiant, ouais. Après c'était une petite famille aussi, non? T'as quand même 18, hein? 18, oui. Ouais, c'était un peu grande cette famille aussi quand même. Ça n'a rien à voir là, planter cette épée, nous cassez pas les couilles. Hein. Mais quand même, vous rappelez quand même au début de l'aventure, j'étais un vieux paysan tout éclaté quoi. Vous rappelez comment j'étais naze? Et ouais. Avec les expériences de cette aventure, bon voilà, je commençais un peu stylé, j'ai un peu des pouvoirs et tout, vous rappelez la boule de feu là? C'était une dinguerie ça! Non, c'est bien hein. Et après, bon, c'est vrai que je peux dépanner, mais voilà, c'était quand même le feu ça. Plus, ouais. C'était vraiment le feu quoi. Non? Bon, allez. Non, en vrai de vrai, ça sert à rien de tourner autour du pot. En vrai, je suis pas chaud de planter cette épée, quoi. Enfin, je trouve qu'on est bien comme ça. Non? Bon, allez, on fait un sondage, comme ça on est sûr que je la plante pas pour rien. Qui est chaud pour que je plante l'épée? Non, mais toi, t'as compris que si je plante l'épée, on va pas se revoir. Et après, tu vas souffrir d'amour, quoi. Tu comprends? Ouais, non, mais elle s'en souviendra pas, du coup. Non, tu me laisses parler à ma femme! Il est fou, lui. Je peux parler avec ma femme tranquille, s'il vous plaît? Voilà. Donc, t'as capté, ça? Non, mais je comprends. T'as perdu toute ta famille. C'est chiant, mais on trouvera des amis cool, tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'ai pas de famille. Je suis orpheline. Ah ouais? Bah, tu sais quoi? Elle est tous se faire enculer, les nains de merde. On est des elfes. Hein. Eh, toi, ferme ta gueule. Je vais te niquer ta mère direct, là. Tu veux que je te nique ta mère? Ah non. Moi, je garde mes pouvoirs. Elle est tous se faire enculer. Et je vais profiter de mes pouvoirs trop cool.
pas t'abonner à la chaîne du Woof tout simplement en cliquant sur le bouton s'abonner. Waouh, il y a un bouton s'abonner, je savais pas. Et ouais mon gars, c'est original comme concept, non? Et si t'es plus un téléphone, tu peux directement cliquer sur l'écran. Allez, j'attends. Allez, avec mon doigt. J'ai tout mon temps, je suis au jeune Dieu. Allez. Yes. J'attends. J'en profite pour faire une petite séance d'ASMR.